Bonjour, moi c'est Alex Chat. On se retrouve ici pour quelques jours avec Thus Bern. On va essayer de sortir quelques poissons dans cette période. On est au cœur de l'hiver, il fait très humide, il y a du vent, il fait froid. Mais on va essayer de vous faire voir quelques carpes, comment on s'adapte pour les prendre. Et la nuit commence très bien puisque au réveil ce matin, j'ai eu la chance d'avoir ce superbe poisson qui est venu me voir et récompenser les premiers efforts. Maintenant, on va la remettre à l'eau et on attend la suivante. Comme dit précédemment, donc on se retrouve ici avec Thus Bern pour cette session hivernale. On va passer quelques jours sur ce poste 5. C'est un poste que j'ai choisi puisqu'il a une grande ouverture sur la gravière. On se retrouve avec une fosse devant moi, des profondeurs qui vont de 8, 9, 10 mètres. Par rapport à ça, j'ai choisi ce poste-là parce que pour le cœur de l'hiver, je pense qu'il y a possibilité d'y trouver des poissons. Sur la deuxième partie du poste, on a vraiment de belles remontées avec de beaux fonds jusqu'à 2 mètres, voire même moins. Je vais essayer de voir un petit peu où je vais passer mes cannes. Est-ce que je dois les passer en bas, dans les pentes, ou même s'il y a un petit peu de soleil, ce qui n'est pas le cas pour le moment, peut-être au sommet. On va voir comment ça va se passer. Je vais retendre les cannes pour la nuit et puis je vous donne rendez-vous demain matin pour faire le point. Bon bah voici le résultat de la nuit. Comment pas être content avec un tel poisson? Un poisson hyper massif pour récompenser les efforts cette nuit. La tempête était là, on a eu énormément de vent. Malheureusement je perds un poisson aussi sur le matin, mais quelle récompense pour cette nuit avec cette grosse miroir. On va faire quelques photos et puis on va lui rendre sa liberté. Pour ceux qui me connaissent, les pêches discrètes, c'est ce que j'apprécie particulièrement. J'aime vraiment essayer de confondre mon montage dans le fond des éléments. Et ici, avec Thus Bern, on se retrouve avec une eau hyper limpide. Et pour moi, c'est vraiment primordial d'accorder de l'importance à la discrétion de mes montages. C'est pourquoi, dans un premier temps, je prends tous mes leaders, mes combis, avec mes plombs, je les mets tous au fond de l'eau, donc certes devant le poste, mais je pars du principe que si déjà au bord de l'eau les montages sont discrets, je me donne des chances qu'au fond, dans quelques mètres d'eau plus profonde, il le soit aussi. Donc à partir de là, je fais la manipulation de les mettre au fond de l'eau et je fais le constat de quel plomb, quel leader je veux utiliser pour cette session là, et je fais ça systématiquement lors de chacune de mes sorties. Donc suite à cette analyse, j'ai constaté que ces plombs et ce leader me convenaient moins pour cette session là, hein, bien sûr, mais pour le coup j'ai opté pour ces deux leaders et ces deux systèmes plombs que je vais vous expliquer sur les montages, pourquoi je les utilise et dans quelle configuration. Maintenant je vais vous présenter les cannes une par une et un petit peu dans quel contexte je les utilise. Donc mes trois cannes sont avec un monofilament plutôt solide, hein, on est sur du 40 centièmes pour de la pêche en gravière, et sur lequel je viens mettre une tête de ligne en fluorocarbone pour contrer les différents obstacles, les différents même rushs des poissons. Pour cette canne là, elle va pêcher dans la zone la plus profonde. Je vais la mettre vraiment dans la fosse, hein, dans 9 mètres d'eau. Il se trouve que j'ai opté pour un montage, on est sur un fond assez dur, donc j'ai opté pour un montage coulissant. D'accord. Tout simplement parce que j'apprécie vraiment ce montage dans les zones surpêchées où le poisson ne peut pas utiliser le poids du plomb pour éjecter et recracher l'hameçon. Donc j'apprécie vraiment ce montage là. Et après sur la seconde partie, je suis sur un simple écu des rigs que j'affectionne particulièrement, qui me suit quasiment partout. Maintenant je vais vous parler de la deuxième canne. Celle-ci pêche sur un fond très dur, hein. On est sur le haut d'un haut fond qui est par contre assez loin. Donc
Donc on est parti sur un plomb permettant un autoferrage plus accentué, hein, en étant pris par le milieu. Je me retrouve avec une partie gaine pour bien plaquer sur le fond, et puis vu que je suis toujours sur un fond dur, je reste avec un IQ Derry. Comme je dis, c'est vraiment un montage qui a entièrement ma confiance et j'ai aucun doute sur ce montage là donc déjà j'élimine ce problème là et on passe à la suite. J'aime toujours bien rajouter tout ce qui est un petit sinkers pour bien plaquer sur le fond, c'est important pour moi, et aussi créer ce basculement et ce déploiement du bas de ligne. Étant ma première fois ici, je vous cache pas que je connais pas la gravière. Du coup, j'ai mis ma première canne, comme je vous l'ai dit, sur une grande profondeur avec un fond très dur. La deuxième canne qui est vraiment elle sur un haut fond, donc une profondeur différente. Je sais pas où les poissons vont passer leur temps pour s'alimenter. Et la troisième canne, quant à elle, je la mets sur une sorte de petite marche sur le début d'un haut fond. Il y a une petite marche qui elle, par contre, est un petit peu molle, hein, parce que je pense que les poissons peuvent s'alimenter sur le mou. Pour ça, du coup, cette zone-là est assez loin. Je suis reparti sur un plomb assez lourd pris par le milieu. Je remets une gaine qui se plaque bien sur le fond, parce que comme je vous ai dit, je suis sur une marche et je voudrais bien que mon montage se plaque sur cette marche-là. Et pour le coup, je suis passé sur un fluoro beaucoup plus fin pour qu'il soit beaucoup plus souple et qu'il vienne épouser le substrat. Et à la fin, un petit combi pour une articulation et un montage qui pivotera encore plus rapidement dans la bouche du poisson. Comme vous pouvez le constater, je suis vraiment à la recherche d'informations. C'est une gravière que je connais pas. Du coup, je pars sur trois cannes avec trois approches vraiment différentes. On pêche vraiment dans différentes profondeurs, sur différents substrats, avec des présentations différentes, des amorçages différents aussi, hein. Je ne sais pas si les poissons s'alimentent ou ne s'alimentent pas. Le but, c'est d'emmagasiner le maximum d'informations sur les premières heures de la pêche pour corriger les cannes qui ne fonctionnent pas et du coup accentuer et augmenter le nombre de touches et la cadence si possible. Hein. On reste quand même au cœur de l'hiver. J'ai conscience qu'on fera pas de carton, mais si on peut prendre un petit peu plus de poissons, on va pas s'en priver. Maintenant, je vous cache pas que la nuit arrive et je suis vraiment impatient de remettre les cannes en espérant recroiser quelques poissons d'ici demain. On amorce la canne qui est dans le pied de la marche, hein, c'est celle qui m'a permis de prendre un des deux poissons. Donc on la remet. Un petit peu de bouillette le tour. On croise les doigts. On se retrouve au matin de la troisième nuit. Je vous cache pas que je suis assez déçu puisque la nuit a été très calme. Normalement, l'activité se passe de nuit et ma canne valeur sûre qui m'a fourni pas mal de poissons jusqu'à présent et a rien fait du tout cette nuit. Donc on va voir qu'est-ce qu'on va changer, comment on va analyser cela. Par contre, côté positif, c'est que Quentin a une super surprise à vous montrer. Donc on va aller le voir et après on reviendra sur le poste pour voir qu'est-ce qu'on pourra changer pour essayer d'améliorer la situation et enfin remettre la
machine en route pour la prochaine nuit. Donc je vous dis, on va voir Quentin et on va voir cette surprise. Comme je suis venu filmer Alex, j'en ai profité pour tendre deux cannes cette nuit, moi aussi. Et visiblement, ça a plutôt bien marché. J'ai pris une très très grosse miroir qui est maintenant mon record. Je suis vraiment super content. Je suis parti sur quelque chose de différent de lui. Moi, c'est plutôt une base de chènevis avec du maïs doux et des asticots. En hiver, j'aime bien utiliser cette technique. Je trouve que ça marche bien. Et là, en tout cas, ça m'a super bien réussi et je vais vous montrer cette miroir. Voilà la miroir, un poisson juste énorme. Elle m'a fait un gros combat sous des trombes d'eau. Voilà, comme là il pleut encore, c'est le temps depuis le début de la session. Et pour au final finir dans l'épuisette, je suis vraiment super content. Allez, je vais la remettre dans l'eau. On se retrouve maintenant là puisque je vais faire quelques changements sur ma pêche. Il se trouve que voilà, on a constaté dernièrement que les poissons ne s'alimentaient pas vraiment, on n'avait pas grand chose dans le sling et puis on fait plus de touches. Du coup, c'est pourquoi je vais tenter une approche de leurre, hein. Vraiment un montage jigging stiff rig avec un appât boosté, une pop-up boosté et puis un petit montage combi avec toujours une neige flottante pour vraiment jouer sur le visuel ici avec du jeu. Je vais aller clipper mes lignes et puis on va aller mettre ça à l'eau en espérant que ça fasse la différence. Je vais vous expliquer un petit peu comment je procède. Là, je viens de trouver un nouveau spot, hein. Je suis sorti avec la barque, l'éco sondeur et j'ai trouvé une jolie petite remontée. Donc voilà, j'ai décidé de poser la canne dessus. Pour ce faire, j'ai fait une première dépose avec simplement mon plomb, hein, sur le spot. Puis je suis revenu poser la canne sur mon rod pod. À partir de là, j'ai clippé ma canne et puis je vais la dérouler autour des 10 stick pour derrière mettre un élastique. Le but de ce procédé là, c'est que s'il arrive un accident, que je casse ou que je décide de changer ma tête de ligne ou que mon fil est abîmé, que je veux le changer, je peux le faire sans aucun problème puisque j'ai ma mesure, j'ai mes distances et je peux repêcher continuellement le même spot. Donc utiliser les 10 stick, c'est pas réservé uniquement pour la pêche au bord, ça peut être un bon atout je pense pour la pêche en bateau également. Comme vous pouvez le voir, du coup je suis arrivé à mon clip, j'ai déroulé mon fil sur les 10 stick. Donc le clip que j'ai réalisé en arrivant à mon rod pod, hein, suite à la dépose comme je vous l'ai expliqué. Maintenant j'ai tenu compte de la profondeur et puis je vais simplement pouvoir mettre mon élastique qui me servira de repère visuel lors des déposes. Donc maintenant je vais procéder à la mise en place de l'élastique. Donc pour ce faire, vous faites simplement une boucle. Avec cette boucle, vous tournez 4 fois sur le corps de ligne à l'intérieur de l'élastique et du corps de ligne. Vous humidifiez un petit peu le tout pour pouvoir resserrer l'élastique et le serrer assez fortement. Une fois le nœud réalisé, vous n'avez plus qu'à couper les excédents pour à la longueur que vous voulez, selon si vous voulez un gros visuel ou un petit visuel. Suite à cela, normalement votre élastique ne devrait pas bouger et moi j'ai jamais eu de défaillance avec ce nœud là.
première récompense du changement de canne est devant vous. Une superbe commune hein, tout en longueur, hein, bien longue, bien puissante. Celle-ci, je l'ai attrapée sur la canne que j'ai changée hier. Je suis passé sur une marche. On est à mi-pente en fait. Il y a une marche dans 5 mètres d'eau. Et là-dessus, j'ai mis un leurre, hein, simplement une pop-up sur une Hanging Stiff Rig. Et ça a fait le boulot dans le créneau horaire habituel. On a vraiment des créneaux en hiver où les poissons rentrent en activité. Et à chaque fois, chaque jour, ça fait mouche. Donc c'est top. En plein combat au milieu de l'eau, le poisson était un petit peu coincé, donc on a sauté sur le bateau pour essayer de le rejoindre, et puis on va essayer de vous montrer ça pour la mise à l'épuisette. L'action de la 3 livres 25, pourquoi utiliser des cannes hyper puissantes? 3 livres 25, ça fait largement le taf pour ce genre de gravière ou de pêche. Je vous garantis que le plaisir est au rendez-vous. Petite touche très lente en ce début de nuit, donc tous les espoirs sont permis. Hein. Voilà, c'est vraiment une touche très lente, un poisson qui se déplace tout doucement. On va espérer. On comprend mieux pourquoi le combat était plutôt lent. Une belle coco bien massive qui est venue nous voir. Allez, on va la relâcher.
Petit bilan de ces quelques jours en gravière avec Thusberg. Une pêche en barque, en bed boat, dans des eaux claires de 8 à 10 mètres, du jamais vu pour moi. Je suis satisfait de cette session qui m'a demandé de l'adaptation. On oublie la canne à spod, le fil fin, les petits montages, les petits sticks et on s'adapte. Après un début de session canon, il aura fallu réajuster la pêche. Nouveau spot, nouvelle présentation et la magie a opéré avec plusieurs poissons d'exception. Un autre style de pêche, très riche en enseignements. Rien n'est écrit d'avance, on en apprend tous les jours, à chaque sortie, et c'est ça qui nous fait vibrer. Je crois qu'on pouvait vraiment pas mieux finir avec Quentin là. Un superbe doublé, un gros poisson, une grosse miroire et une superbe linéaire. Franchement, on aura galéré avec le temps, mais les poissons ont répondu présents. On a réussi à trouver la pêche, notamment avec des leurres. Mais voilà, quel plaisir. Maintenant, on fait quelques photos et je vous donne rendez-vous la prochaine fois. Et cette fois-ci, ça sera du bord.